Cette fois, sa France se retrouve au panel. Vidéo Lego aujourd'hui. Ouverture de cartes d'un écho multipack 2 de la série 7 de cartes à collectionner Lego Ninjago Dragon Rising. Ce multipack est sorti il y a à peu près une semaine et demie au moment où je tourne cette vidéo. Au moment où vous la regarderez, je pense que ce sera à peu près 2 semaines. En tout cas, c'est encore trouvable. Globalement, c'est encore trouvable dans vos marchands de journaux. Donc, si vous les voulez, foncez, ça vous permettra de compléter votre collection. Et nous, donc aujourd'hui, on va ouvrir un Neko Multipack avec la carte numéro LE22. Et on commence direct avec ce que j'ai eu. Ici, la carte en édition limitée numéro LE22 d'Arène contre Race, édition limitée donc, qui s'inscrit dans la série 7 de cartes à collectionner Lego Ninjago Dragon Rising, tout comme le reste de cette ouverture. La numéro 2, une carte personnage, Sora. La numéro 5, Kai BD, numéro 5, une carte personnage. On continue avec la numéro 9, Jay Action. Numéro 9, une carte personnage spéciale. Suivi de la numéro 47, Sora Action. Je l'ai dit numéro 47, donc un personnage spécial. Suivi de Call Ultra, numéro 51, carte personnage spéciale encore. Suivi du vendeur de thé, numéro 63, une carte personnage. Ensuite, la numéro 65, Maître Wu Fort, une carte personnage. Encore une fois, une carte personnage avec ici Gail Gossip, numéro 67. Ensuite, une carte personnage spéciale, Maître Wu Action, numéro 79. Ensuite, à numéro 87, carte personnage spécial, commandant des gardes d'Imperium Mega. Suivi de Professeur Laro Forte, numéro 103, une carte personnage. Suivi de Dorama Fort, numéro 104, une carte personnage. Encore une carte personnage avec ici Krill, numéro 127. Avant-dernière carte personnage avec ici Roi Squelette Méchant, numéro 137. Et on finit les cartes personnages par une personnage spéciale, numéro 138, Chevalier Squelette Action. Carte piège cette fois-ci avec la carte Bye Bye numéro 200, tous les alliés de ton adversaire dans la défausse de leur propriétaire. Toujours carte piège, espionnage numéro 204, tourne les alliés de ton adversaire à 180 degrés, tire une carte. Toujours carte piège numéro 205, grillé, défausse toutes les cartes personnages de ta main, montre ta main restante à ton adversaire. Carte piège toujours, numéro 206. Magicien coupable, place la carte véhicule de ton adversaire dans la pile de défausse de son propriétaire. Carte numéro 209, une carte véhicule, le monstre Fautaque. Si tu perds un duel, place cette carte dans la défausse de son propriétaire. Carte véhicule, la voiture de course Spinjitzu, le pouvoir du dragon de Zane. Numéro 211, tu peux tirer les cartes de l'intérieur de ton deck. Au lieu du dessus, mélange ton deck. Carte véhicule numéro 218, l'équipe de robots du Ninja Lloyd. Tu ne peux lancer qu'un duel par tour. Toujours carte véhicule, mais cette fois-ci la dernière, 223, le dragon élémentaire, les valeurs les plus basses gagnent les duels. Numéro 228, une carte puzzle, on peut y voir notamment Jay sur eh bien, Giro.
Toujours carte puzzle cette fois-ci avec la 229. On peut voir Kai sur Heatwave. La 234, toujours une carte puzzle avec notamment le monstre Photak. Avant-dernière carte de cette ouverture avec la numéro 245, on peut y voir l'impératrice Béatrix ainsi que l'un de ses sbires. Et donc, dernière carte de cette ouverture avec la numéro 251, on peut y voir notamment Sora et Jay. Donc voilà un petit peu pour cette ouverture, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé quand j'ai fait le post communautaire, à vous abonner, à liker cette vidéo ainsi que ce post. Et voilà, et du coup, c'est l'un de plus qui vous dit bye bye.